Oh merde, j'ai cassé ma tongue. Frère, non, si c'est bon, Loli, c'est bon. Oh putain. Jure Wallah. Oui, je suis pas musulman. T'es quoi toi? Moi, je suis châté. Vas-y, jure sur Dame Nature. Jure sur rien. Dame Nature. C'est quoi ça, Dame Nature? Jure sur l'annuaire. Je te jure, Elias, ils arriveront même pas à porter un poids de 10 kilos biceps. Barjou les mecs. T'es un Galsen? T'as une tête de réunionnais martiniquais. Non non. T'es un malgache? Non. Cambodgien? Non. Mais merde. Y'a pas une émission moins de 18 en projet? Non. Ça y est, c'est fini ces conneries. On a grandi maintenant. Tu crois qu'on va encore rigoler parce que y'a des frères, des gens qui viennent raconter des enfantillages en live? Frère, on est au-dessus de ça, hein. Frérot, on a gagné en stats, on a gagné en sub. Maintenant, il faut montrer un contenu un peu plus mature, si je peux me permettre. Ok? Hey, va manger du caca là au lieu de me parler de conneries à la con. Quoi? 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 C'est lui? Mais non. Le don? Ah, j'ai reçu un don? Ah ouais, merci Rivlit pour les 20 balles! Mais wesh! Vas-y. Il est noir? GP bah, t'es noir? Tout seul, hein, par contre. Bah oui! GP et Renoir? Mais oui, non, bah oui, il a juste la peau sale, je pense. Oh là. Waouh! Non mais frère, parce que c'est un pirate, frère, les pirates sont. Ah bah arrêtez, wesh. Non, je suis pas raciste. Voilà, je suis pas raciste. Oh, hey, on peut plus rien pour toi là. Ah ouais. Déjà, est-ce que c'est en Afrique? T'es Zaïrois? Mauricien? Non. Ivoirien? Éthiopien? Tanzanien? Non. Capverdien? Wesh, non, les gars, vous abusez. Malien? Non. Non, mais wesh. Quoi, comment ça, wesh? Libyen? Égyptien? Algérien? Marocain? Mais non, non. Nigérien? Ok, il est deg, hein. Oh, il est deg, là, hein. Quoi, j'ai glitch le jeu? Mais c'est pas vrai, mais je lui ai mis 10 km! Je lui ai mis 10 km, c'est impossible! T'es un barjou, les mecs! Vas-y, regarde, je vais te citer des âges et des situations dans lesquelles on va retrouver ton gosse et tu vas me dire comment tu réagis, ok? Okay. Alors, 16 ans, t'es convoqué en garde à vue pour récupérer ton fils. On a retrouvé un sac avec de la coke et un couteau dedans. Ok, bah je vais, je vais au commissariat du coup. Ouais. Je vais récupérer mon fils. Ouais. Et je vais lui dire, ça fait partir combien? Il te dit, papa, j'ai réussi à faire 30 000. Ils sont cachés sous la voiture du voisin. Bah vas-y, c'est parti, on va faire partir ça. Ensemble. Ok. Ok. Ton fils, il a 18 ans. Il est convoqué au tribunal parce qu'il a mis deux patates à sa meuf et il lui a ouvert l'arcade. Mon fils, je sais pas, si tu veux combattre, je t'achète des gants, je ramène ta femme, vous mettez sur un ring et vous la donnez correctement, mais y a pas à frapper sa femme comme ça. Donc voilà, regardez comment Balti gronde son fils. Mais y a pas à frapper sa femme comme ça, on dirait, il fait un top tweet, frère. Non mais t'es sérieux, toi? Non mais tu fais quoi, Ansar? Tu fais quoi? Non, en vrai, frère, je lui parle. Déjà dans un premier temps, je lui parle. Moi, je pense que je serais pas un papa qui va frapper ses enfants. En gros, moi, je sais que je vais beaucoup parler à mes gosses, mais si à un moment donné, je n'ai plus recours aux paroles, place aux mains. Tu vois? Okay. Parce que moi, mon père, ça a été exactement ça. Il m'a beaucoup parlé, ça n'a pas fonctionné. Et malheureusement et heureusement à la fois, ça a été les coups qui ont fonctionné. T'es un barjou, les mecs! The Vivi, salut mec, j'ai un son pour toi. Est-ce que ça, c'est toi? Il m'a fait un son? Pourquoi tu m'as fait un son? Tu veux me gérer ou quoi? Salut mec. C'est quand Comment tu veux, frérot. Ça va et toi? J'ai un petit son pour toi, on l'a écrit avec la commu. C'est un son de love, parce qu'on veut apporter du love un peu. Coucou tout le monde. Vas-y. Même si t'es pas devant moi, je te suis derrière mon écran. Qu'est-ce qu'il y a, Elias? T'aimes pas beaucoup le président? De tous les JL,
T'es le plus percutant et comme le palmarès des Belges, t'es plutôt perturbant. Même si t'es pas devant moi, je te suis derrière mon écran. Qu'est-ce que d'ailleurs Elias, t'aimes pas beaucoup le président. De tous les GL, t'es le plus percutant et comme le palmarès des Belges, t'es plutôt perturbant. Tes conseils sont tous parfaits. Et si je te capte ton parfum, je t'aime d'un amour imparfait. Contre le virus, t'es mon vaccin. Oh, c'est pas là? Mais c'est par où? Mais wesh! Ok, là faut sauter. Putain, c'est un tapis à sens inverse, la putain de ta grand-mère! Vous m'avez dit, il y a une box? On à droite, il y a une box? Oh! Allez, nique ta mère! Madagascar! Non! Guinéen! Équateur! Non! Béninois! Mais non! Mais ce B! Mauritanien! Mais non, mais wesh, le chat, s'il vous plaît! Non. Camerounais! Oui, voilà, enfin! Voilà, j'avais! Wesh! Depuis tout à l'heure que je le dis! T'as pas mal, frérot! C'est grave! Depuis tout à l'heure que je dis Cameroun! Cameroun, on m'écoute pas! Putain! Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je vous les liste? Les raisons pour lesquelles je peux pas aller voir un psy? La première raison, c'est que je suis un rat. C'est hors de question que je paye 60€ de l'heure pour parler de mes problèmes. Si tu veux entendre mes problèmes, c'est toi qui payes. Tu te rends compte? Je te paye et je te parle, mais ça va pas. Tu sais qui je suis ou pas? Si tu veux que je te parle, tu me payes. Donc quand un psy sera prêt à me payer, là je lui parlerai. Deuxième raison, le type n'en a rien à foutre. En vrai de vrai, moi si j'étais psy, j'écouterais les problèmes des gens parce que c'est mon taf, mais j'en aurais rien à cirer. Donc je pars du principe que le psy en face de moi, il en a rien à cirer. Je vais pas parler à quelqu'un qui en a rien à cirer. Troisième point, qui n'est pas négligeable, c'est que j'ai des problèmes qui sont trop complexes, trop profonds. Si je parle à un psy, c'est lui qui va avoir besoin d'un psy. Je peux pas me défouler mes problèmes sur quelqu'un, le pauvre, il va mal finir ce type, c'est impossible. Il faut que je pense à lui, il faut que je préserve les gens qui sont autour de moi. Et je pense, quatrième raison, celle-là c'est plus une excuse qu'autre chose, mais ça compte quand même. J'ai rajouté la salle de sport dans mes honoraires, ça a décalé mes horaires de live, je live moins qu'avant. Si je rajoute le psy, vous allez plus me voir. Hein. Ton fils, tu le récupères en garde à vue, il est tout nu dans sa cellule. Les flics ils te disent, ouais, récupérez votre fils youtubeur de merde, il essaye de faire le buzz et tout. Et ton fils il te montre son tel et il te dit, regarde papa, j'ai fait quand même 500 000 vues parce que j'étais tout nu devant la tour Eiffel, tu fais quoi? En fait, le problème c'est que je sais pas comment t'expliquer, mais je suis de cette génération YouTube, tu vois ce que je veux dire? En gros, je comprends YouTube, je connais YouTube, je sais ce que c'est 500 000 vues, mais le fait de se mettre à Walp, ça me dérange. Mais de on ouf. A en face de nous le père le plus cool du monde. Hein. Non, mais vraiment, le fait qu'il soit à Walp, ça me dérange de ouf. C'est plus le fait qu'il soit à poil qui me dérange. Ok, du coup? Bah, gros, je le gronde. Hein, ah, ok, le gronde. Ah, ok, il le gronde. Okay. Son fils, il sort sa bite en plein vidéo, panneau. Je récupère d'abord l'argent de la vidéo, après, je supprime la vidéo. Oh, celle-là, elle est dure. T'es marié, avec ta femme ça va plus, tu divorces, mais t'as quand même ton fils avec ta première femme, tu te remaries, la relation entre ta femme et ton fils et sa belle-mère du coup elle est très très mauvaise, ils s'embrouillent tout le temps et tout, et un jour t'es convoqué au tribunal et on te dit, votre fils a assassiné sa belle-mère. Toi c'était ta femme du coup et tu l'as kiffé quand même, tu vois. Ton fils il a 24 ans et il a tué ta femme. Ta deuxième femme, qu'est-ce que tu fais? J'ai merdé quelque part. Elle est pas facile celle-là. Hein. Je me dirais c'est plus ma faute. Je vais m'en vouloir à moi parce que je vais me dire c'est où que j'ai merdé. Pourquoi j'ai pas capté le truc, tu vois ce que je veux dire? Tu gardes contact avec lui, tu vas le voir au parloir, tu lui envoies des mandats? Je peux pas te répondre ça, mais jamais. Ouais, non, franchement, je pense que je suis parti un peu trop loin là. Je suis parti un peu trop loin sur celle-là. Je pense qu'il faut vraiment le vivre. La vie d'homme. Ah! Oh putain de merde! Genre, tu vois, j'ai besoin de réponse, tu vois, un peu. Vas-y. Genre, toi, je t'ai déjà dit que, tu sais, tu m'intéressais et tout. Mm-hmm. Mais, genre... Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu penses de moi? Tu penses quoi de moi, en fait? Genre... J'arrive pas à me positionner. Que je pense de toi? Ouais. J'arrive pas à me positionner. J'arrive pas à me positionner. Énormément. Enfin, genre, tu me fais rire, etc. Genre, je passe de bon moment. Bah, on s'est pas vu encore, mais tu vois, tu m'as comprise, non? Ouais. Genre, j'aime bien parler avec toi, etc. T'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et voilà. Pour aller où? Pour aller où, genre, un peu?
Non, je vais dire honnêtement, terme de couple, je suis pas prête. Clairement, je suis pas prête parce que je vais t'expliquer, c'est-à-dire que par rapport à mon passé, etc., je ne fais pas confiance aux autres. Dis-lui, je t'arrête tout de suite. J'ai des problèmes avec mon ex. Moi aussi, je veux pas me mettre en couple. Dis-lui ça. Je t'arrête tout de suite. J'ai des problèmes avec mon ex. Je veux pas me mettre en couple. Tant que j'ai pas confiance, on s'en bat les couilles, avant. On ne peut pas me mettre en couple parce que je vais tout gâcher. Et ça, je le sais bien. Ouais. Mais. Ok. Mais. D'autres questions ? Genre, j'ai pas été clair ? Je sais bah pas. Là, tu vois, là t'as parlé français, tu vois. Oui, mais c'est parce que par message, j'ai du mal à m'exprimer. Non, mais là, tranquille, hein. Je l'ai pas mettre. Mon cœur. Non, mais au moins, tu vois, je suis fixé. Oui, bah oui. Ah, bah là. Oh, les Les trois doses, je pourrais les prendre. Si c'est toi qui me les impose, car tu m'aides à me détendre. Lance GTA, je veux ma dose. Et fuck la dépression, regarde comment t'as changé les gens par ta diction. Eh, on dirait que c'était ta mission d'arriver à mettre un terme à leurs addictions. Eh, même tes dessins sont pas banals, si tu les poses sur TikTok, ils feraient le tour de la toile. Eh, ce que je te dis n'est pas bancal, pour t'impressionner, je pourrais sortir le bancail. Même si t'es pas devant moi, je te suis derrière mon écran. Oh la réfablie. Elias, t'aimes pas beaucoup le président. T'es un barjou les mecs. Wesh Ziak. Ouais. Ça va ou quoi? Ça va et vous les gars? Attends, je me maquille un monde de speed. Ah mais c'est vraiment Ziak? Moi wesh. Vas-y dis Andy Sumfit Dem. Non c'est vrai. Moi je te sors la main. T'es proche, je te sors la main. Je suis le registre des graves gênants. Je préfère pas. Non, t'es très intelligent. N'écoute pas cet individu qui met les gens dans le mal, qui consente de faire des douches froides. Dis barakallah oufik. Je dis rigueur tous mes copains, mais. Putain, tu m'as dit, excuse-moi, j'ai pas du tout entendu. T'as quel âge? Tu viens d'où? J'ai 19, je viens de Valence et en dessous de Lyon. Non. 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 Comment ça, non? Non. On va te reposer la question, tu vas dire la vérité. T'as quel âge, tu viens d'où? Mais là, vite même, j'ai 19, frère. J'ai 19 ans, je viens de Valence. Comment on t'appelle? Je m'appelle Célio. Célio, ok. Vas-y, j'en étais sûr. C'est pour ça que je mets un pseudo. Bah écoute, Célio, je te présente mon amiral Floren. Enchanté, moi, c'est H&M. Fils de pute. Bon, j'espère que t'as pas faim. Je peux avoir un psychro? Ouais. Ce psychro. Tiens, Barjou, la mec! Salut Amaru, je t'ai écrit une chanson rien que pour toi si tu as le temps de l'écouter. Quoi? Tu m'as fait un son, Dorian? Tu m'as fait un son? Attends, je vais écouter ça. Non, c'est pas le bon disque, attends. Voilà, celui-là, c'est le bon, attends, écoute. Pour mon gars sûr, il glace le go qui assure. Il gère des meufs en un temps, mais sur Twitter, il les insulte. Tu sais, je t'aime bien, je veux une relation ambiguë. Il n'y a rien, mais qu'est-ce que j'aime ton petit cul. Depuis que j'ai quitté, j'écris, j'ai revu mes déprimes, des prix que des crimes, des cris comme des frimaux, des trimons, des connes, déprimés, comme des putes de connasses. Trouve refuge chez Elias, ouais. Dimanche pour les tendances, ce petit homme est prêt, il a toujours un peu d'avance sur tout le Twitch français. Si jamais le son te plaît, pas m'envoie pas Baptiste, s'il te plaît. Je reste sur mon idée de base, c'est carrément gay, c'est carrément gay.